je me souviens des petits coureurs en plomb de mon enfance. Je m'en souviens, je les poussais pour jouer au Tour de France. Je me souviens de Jacques Anquetil, Maître Jacques, blond et conquérant comme un viking, et de Raymond Poulidor Poupou, auvergnat du plateau des Mille Vaches. Le premier a déjà un imposant palmarès et récolte les sifflets du public. Il est jaloux du second qui n'est professionnel que depuis 4 ans, mais question popularité, Poupou fait la course en tête. Je me souviens de ces années 1960, la France se déchirait autour des deux champions. Moi, j'étais supporter d'Anquetil, qui est né un 8 janvier comme moi. Mon père préférait Poulidor. Allô, là-haut du tout, est-ce que vous m'entendez, Daniel Potra? Nous écoutions la retransmission du Tour de France dans notre transistor. Raymond Poulidor va arriver maintenant, il est sur la dernière ligne droite. Attention, le voilà, top! Je vous assure que ce n'est pas gagné. Ce se jouera évidemment au millimètre ou au centimètre. Ici la motométrie, je me trouve actuellement derrière le groupe de Jacques Anquetil. L'écart entre le groupe Anquetil et celui de Raymond Poulidor est actuellement... Je me souviens de ce fameux tour en 1964. Le duel Anquetil-Poulidor est à son maximum. C'est un tour qui se termine le 14 juillet. Le tour, c'est la fête nationale. Et c'était un truc extraordinaire. Entre deux Français, le 14 juillet, c'est pour ça que c'est le tour des tours. Voilà. Avec mon père, nous avions décidé d'aller encourager les géants de la route. Quelle surprise le lendemain en ouvrant le journal. J'étais sur la photo à côté de mon père. Je me souviens les soirs d'étape après le dîner, courir ventre à terre chez les voisins pour ne pas rater le résumé de l'étape du jour. Mon père riait et m'encourageait. Baisse la tête, t'auras l'air d'un coureur. En cet été 1964, la canicule assomme la France et le peloton. En attendant les grandes bagarres des étapes de montagne, où chaque équipe devra tout donner pour défendre son leader, les grégarios, autrement dit les équipiers, ont une mission prioritaire, la chasse à la canette pour rafraîchir les ténors du peloton qu'il faut ménager. Poulidor ici revient lui-même sur les hommes de tête. Pendant les premières étapes, les deux champions se jaugent et les supporters aussi. Certains en viennent aux mains, les journaux font même état de divorce. Anquetiliste ou poulidoriste, il faut choisir. La France était à majorité poulidoriste, puisqu'il ne gagnait pas, Anquetil était trop fort, on voulait voir le petit battre le grand, etc. etc. Donc j'étais catalogué, donc surtout par le clan Anquetil, comme poulidoriste. Voilà. J'étais anquetiliste et poulidoriste, les deux. Parce que ces deux-là, ça a été deux immenses champions. Anquetil un peu en avant, mais je pense qu'il n'y a pas une très très grosse différence athlétique. Il y avait ce qui a fait la différence, c'est l'organisation, c'est le mental, c'est l'ambition. C'est ça qui a fait la différence. Moi, j'ai toujours dit au départ, bon, après, il y avait le peloton qui est là, il y avait Poulidor. Et Anquetil, les journalistes avaient mis Poulidor ici. Mais au départ, Poulidor était là. Après, il s'est rapproché, hein. Mais il a pas passé. Vous voyez ce que je veux dire?